Good morgen, allez, Iden Nessusra aujourd'hui, Lelo Inishmat, Janine Ruth Bat Fortune Mazal Fritna, Lechayabat Mazal Tov, Lucien Batrina et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Masechet Gitin, Perek Zayin Mishnah Aleph. Mi Sheachazo Kurde Yakos. Ve Amar Kidvoget Le Ishti, Lo Amar Kilum. Amar Kidvoget Le Ishti, Ve Achazo Kurde Yakos, Ve Chazar Ve Amar Al Tirtovu, En Devara Ve Acharonim Kilum. Nishtatek, Veamrulo, Nichtov get le ishtecha, Verkin berosho, Bodkin oto, Shalosh peamim. Im amar al lav, lav, val hen hen, Are elo, ichtevu, veitenu. On a une Mishnah qui va s'intéresser aux gens qui perdent la tête. Est-ce qu'ils sont aptes à divorcer? Je m'explique. Alors, bon, on a qu'à traduire directement, c'est tout simplement. On va parler de deux cas de figure. Un cas où on lui perd la tête et un cas où il perd la bouche. Soit le cas où Mishachazo Kurdeyakos. Kurdeyakos, c'est une sorte de maladie qui fait rentrer les gens en délire. Une sorte de démon qui s'emparait des gens. Quand Chazal est parlé de ça, justement, que les gens se faisaient épouvanter. Enfin, il y avait un shed qui lui rentrait en lui et qui lui. D'accord, c'est comme ça, les histoires de D-Book. D'accord, ça existait, ça existe encore, je suis sûr. Et d'accord, des books, c'est des âmes qui rentrent et qui prennent le contrôle d'un être humain et qui lui enferment des bêtises. D'accord? Il perd la tête, tout simplement. Aujourd'hui, on a des termes dans la, pour définir chaque fou avec son style, avec son allure. À l'époque, on parlait plus qu'il y avait un rouar qui était rentré en lui. C'est un rouar qui entre, en l'occurrence, quand on mange du vin, qu'on boit du vin frais, je ne sais pas exactement dans quelles circonstances. D'accord? Donc, Mishachazo Kurdeyakos, celui qui a été dominé par, épouvanté par un démon, tout simplement. Ve'amar Kidvoget Leishti, maintenant, dans son délire, il a dit, écrivez un guet à ma femme. Mais on sait qu'il n'est pas maître de lui, on sait qu'il est, il a un regard creux, bizarre, il n'est pas présent, il a. On sait qu'il est dominé, il a la direction de temps en temps, anormale. On réalise qu'il n'est pas maître de il n'a pas le contrôle de son être. Alors, dans ce cas de figure, Lo Amar Klum, il n'a rien dit, même s'il a dit divorcer sa femme, il n'a rien dit. Si moi je l'écoute et je vais aller ensuite écrire un guet et le donner à sa femme, ça ne sert à rien, parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Il n'est pas maître de lui-même. Maintenant, autre situation, cas contraire, cas différent, c'est qu'il a d'abord Amar qui doit guetter chez lui. Il a d'abord dit, écrivez un guet à ma femme. Et puis, parce qu'il était frais, il était normal, et puis ensuite, Vachazo Kordeyakos. Et seulement après, il a été dominé par le... Il a perdu la tête. Et pendant qu'il était dans sa folie, dans son délire, Vamar al tirtevu, il a dit non, Vamar al tirtevu, il est revenu, il a changé, il a dit non, ne lui crèvez pas un guet. Alors la Mishnah me dit, En dvara vacharonim klum. Il n'y a aucune valeur à ce qu'il a dit à la fin. C'est-à-dire qu'au son simple, il a dit écrivez un guet, tant qu'il était clair d'esprit. Après, quand il a perdu la raison, alors il a dit ne lui écrivez pas. Et la Mishnah elle me dit, qu'il n'y a rien dans les deuxièmes paroles n'ont pas annulé les premières. On pourrait comprendre dans cette Mishnah, d'abord, avant de dire qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, d'abord, on va dire ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est que il y a on écrira le guet une fois qu'il récupérera son esprit. Le témoin qui avait entendu l'ordre qui lui a prescrit d'aller écrire le guet, il pourra l'écrire le guet, même s'il ne reçoit pas un nouveau témoignage. C'est-à-dire, si moi qui suis quelqu'un de tout à fait normal, j'ordonne, écrivez un guet à ma femme, puis après j'écris, je leur dis non, finalement, n'écrivez pas un guet à ma femme. Alors après, ils ne pourront plus écrire un guet à ma femme. Là, la Mishnah est venue me dire, si tu as dit, écrivez un guet à ma femme. Et puis après, il a perdu la tête, et pendant qu'il était fou, il a dit, n'écrivez pas un guet à ma femme. Et puis, finalement, après, il récupère ses esprits. Les témoins pourront continuer à partir écrire le guet, comme ce qu'il a prescrit initialement, parce que ce qu'il a annulé au milieu était complètement faux. Ça, c'est le pshat qu'il faut dire exactement. Concrètement, le Barthénoï nous dit qu'il ne faut pas expliquer qu'en fait, une fois qu'il a prescrit qu'il était clair d'esprit, une fois qu'il est devenu fou, on pourra quand même écrire le guet. Parce que pendant qu'il est fou, il n'est pas question de divorcer sa femme. Un fou n'est pas apte à divorcer sa femme, il faut savoir. Lorsqu'on fait un guet, lorsqu'on donne un ordre de donner un guet, et ouais, il y a encore d'autres cas de figure, on ne va pas trop allonger, mais un cas où il dit qu'il lui donne le guet, mais qui entre en vigueur que dans 30 jours, par exemple, il faut que le moment où le guet est censé entrer en vigueur, que le mari soit clair d'esprit. D'accord? Et si à ce moment-là il est fou, la femme n'est pas divorcée. S'il est en train de dormir, le Yerushalmi l'explique qu'il n'y a pas de problème. S'il dort, c'est que c'est quelqu'un qui est apte à divorcer. Mais si c'est quelqu'un qui a perdu la tête et qui passe des périodes comme ça, où il récupère ses esprits, eh bien, ça ne marche pas. D'accord? Et
Ensuite, Vechazar va donc Altirtovu, Enbera Bachonim Kulum. Deuxième situation maintenant, c'est que il a perdu la raison, il a perdu la bouche, il a perdu la langue. Nishtatek, il n'est plus apte à parler, il est devenu muet. Vamrolo, et pendant qu'il était muet, il est parti parler avec des signes. Et alors, extrêmement, on le dit, Nirtov get le ishtecha, est-ce que tu veux qu'on écrit un get à ta femme? Il rentre, imaginez un muet, quelqu'un qui a perdu la langue, qui se retrouve maintenant à, il a envie de dire c'est sa femme, il vient en Bedin, et il fait des signes. Et on lui demande quoi? Tu veux qu'on écrive un get à ta femme? Et il nous fait des signes en nous disant oui. Eh bien, Bodkin Oto, Shalosh Pamim. On ne va pas écrire le get directement parce qu'il a simplement dit oui, mais on va le vérifier avec trois séries de questions. En réalité, des séries de deux, donc on va lui poser en fait six questions, avec intervalle entre les deux, et en jouant, des fois on entend le oui, des fois on entend le non, des questions logiques, complètement pures et normales, que n'importe quel homme censé est censé répondre justement, et une personne pas censée ne répondra pas justement, d'accord? Donc on va le poser, on va le vérifier trois fois. Imamar al lav lav ve'al hen hen, c'est-à-dire sur quelque chose qui était impossible, il a dit qu'elle était impossible, et une chose qui était juste, il a dit qu'elle était juste. Donc c'est une bonne dika, on a bien évidemment en intermittent, c'est pas qu'on a dit une fois oui, une fois non. Oui, non, non, oui, non, oui. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait d'ordre logique dans. Comme ça rapporté dans le Mefarshim ici. C'est pas Tisraël notamment, mais c'est déjà écrit dans le plan. Et donc maintenant, Imamar al-Lavla al-Henhen, même s'il est sourd et qu'il n'a pas prescrit avec sa bouche, s'il prescrit avec les yeux et qu'on a la, on valide qu'il est clair d'esprit, eh bien, le arrêt, Elou, Irtevou, Vétenou, ils pourront ensuite écrire le guet sur son ordre, même s'il n'a pas prescrit expressément. Mais même les signes fonctionnent dans la mesure où on est convaincu de la clarté de son esprit, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov, Salam.